ici sur cette place du Trocadéro, pour le châtiment du siècle, car on est tous venus de très loin parfois, pour virer le tyran Paul Biya et sa clique. On est venu leur dire stop, ça suffit. 40 ans de dictature, 40 ans de malheur, 40 ans de pillage, 40 ans de tuerie, ça suffit, on n'en peut plus. Et ce n'est pas faute de les avoir avertis. Nous avons été très 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 patients depuis qu'a été lancé le plan national de résistance. Nous sommes patients avec notre champion Maurice Kamto. Nous n'avons cessé de leur tendre la main. Mais ces gens se foutent de nous. Ils n'ont jamais pensé à nous. Ce n'est qu'à leurs propres intérêts qu'ils essayent de se maintenir. Toutes les richesses de notre pays, c'est pour eux, c'est pour leurs enfants, c'est pour leur clan. Ce n'est pas pour le peuple. Le président élu, notre champion Maurice Kamto, depuis 2 ans patiente avec ces gens. Nous avons fixé 2 conditions avant la convocation de toute élection, à savoir la résolution de la crise dans le NOSO et la révision consensuelle du système électoral. Mais ces gens nous ont piétinés, ont marché sur nous et ont décidé de convoquer le corps électoral. Nous ne pouvons plus l'accepter. Cette fois, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est vraiment trop. Trop c'est trop. Trop c'est vraiment trop. Trop c'est trop. On n'en peut plus de cette dictature. Il est temps qu'elle s'en aille, qu'elle libère notre pays. Nous voulons un Cameroun libre, un Cameroun meilleur, où tout le monde pourra envoyer ses enfants à l'école, avoir des soins, vivre tout simplement dignement, vivre normalement. Donc, entendons l'appel de notre champion Maurice Kamto, qui nous a demandé de refuser d'être des esclaves. Je préfère mourir en étant libre plutôt que de continuer d'être esclave de cette dictature. Non à l'esclavage du système de Paul Biya. Nous n'en voulons plus. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir, mes chers amis. Et lui et son régime. Parce que lui, de toute façon, qu'il soit encore vivant ou qu'il soit mort, pour lui, c'est terminé. Et son régime essaye de se multiplier et de perdurer. Et c'est cela que nous devons absolument tout faire pour empêcher. Et donc, à nos frères, à nos sœurs du Cameroun, entendez cet appel. Sortez massivement de chez vous le 22 septembre prochain. Mais massivement, n'ayez pas peur. De toute façon, nous n'avons plus peur de ce régime. Pendant 40 ans, ils nous ont muselés. Ils nous ont tués. Aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Nous sommes aujourd'hui réveillés et nous sommes prêts à chasser ce régime. Tous dehors le 22 septembre. 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 Tous dehors le 22 septembre pour dire Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit quoi? Paul Biya doit quoi?
D'accord, mon ami Ben Clair. Je vous remercie, mes chers amis. Je suis énormément, je suis fière de vous. Très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous êtes la fierté du Cameroun. Et comme l'a dit le président élu Maurice Sonko, il aura besoin de chacune et de chacun d'entre nous pour aider à reconstruire notre pays. On est arrivé à l'achèvement. Il faut tirer cette bande de pillards. Tirons les têtes. Paul Biya et sa bande doivent partir. Paul Biya et sa bande doivent partir. Je vous remercie, je vous aime. Merci, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de l'alternance de Chantier. Merci à vous.